Bonjour à toutes et à tous, ici Carolia13 et on se trouve sur le tout premier let's play de Earthbound Zero. C'est les débuts de Earthbound sur la Super Nintendo, en gros le passé avant NES. On va commencer ce let's play. Oui, j'avais commencé déjà deux parties, mais on va faire une nouvelle partie. Bon, pour qu'est-ce qui est de lui, il s'appellera pas Ness, mais j'ai dû m'informer surtout pour son nom. Oui, c'est son... Oui, il s'appelle Nitan. C'est son nom à ce petit garçon, avant Ness. Et son ami... Elle s'appelle... Voyons. Anna. Lui, je me souviens tellement plus de comment qu'ils ont l'écrit. Mais je sais que c'est Loï. Loï. J'avais l'impression de dire lol. Si je me souviens bien... Parce que pour moi, le nom il était écrit de cette façon. Ou bien, si j'ai fait une erreur et que vous connaissez son nom, dites-le moi. Et lui, son nom me fait très très rire. Quand j'ai su comment il s'appelait, il s'appelle Teddy. Oui, c'est un ourson. Quel est ton plat préféré? Oh. Ça, par exemple, ça m'énerve quand il demande quelque chose comme ça. Oui, j'adore les steaks. Hey. Je suis cannibale. Oui, je confirme. Ah oui, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, puis pour annoncer, je lirai pas les dialogues parce que beaucoup de personnes ont détesté dans une vidéo que j'ai lu à cause que j'avais de la difficulté à lire. Au pire, vous ferez une pause sur la vidéo pour lire que c'est quoi. Ou je vous ferai un petit résumé de qu'est-ce qu'ils disent. Ah oui, George qui est l'oncle à Nitan, ou le grand-père, je sais pas, aurait été enlevé par des extraterrestres et aurait réussi à s'échapper, mais sa femme, elle, on sait pas qu'est-ce qu'il en est. Oula, beaucoup d'années. Et nous voilà. Dans notre chambre. Voyons, voilà le système. Ah oui, et j'ai oublié de dire que le jeu est en français. C'est rare de voir ce jeu en français. En gros, on a plusieurs systèmes, discussion, voir. Barda, c'est je crois, c'est les objets qui tient. Son état. Les attaques C, les attaques psy. Là, pour le moment, il y a juste télépathie. Télépathie ou télépathie. Fille. Et ça, c'est... Ah, ok, non, ok. Ça, on va laisser faire. Bon, on va sortir de la chambre, là. Oui, c'est normal, on se fait attaquer par des lampes. C'est un système à la style Final Fantasy, sauf que contrairement à Final Fantasy, c'est pas de la magie, rien. C'est vraiment des attaques... les attaques d'enfants. Et je viens de voir que on a tous les deux esquivé. Lol. Tu fais mal, c'est effrayant. Aïe. Je fais deux. En tout cas, je lui fais deux dommages.
Ah, mais t'avais pas beaucoup de vie, toi. Tu as gagné. Ouais. J'adore cette musique, mais à la fois, c'est très effrayant. Bon, encore une lampe qui est en train de devenir folle. Ah oui, c'est... On va s'en occuper, parce que là, la pauvre sœur, je crois... Elle est effrayée. Mais je pense que la maison en entier a commencé à péter un plomb. Ah ben bravo, encore des esquives. Oh oui, puis les smash, ça par exemple, ça fait beaucoup de dégâts. La lampe ne bouge plus. J'espère qu'elle bouge plus parce que là... Elle est pas supposée de bouger de toute manière. Oh oui, ici, on va dire que c'est comme le... une espèce de boss. Vu qu'il s'agit du premier... De la première chose difficile à battre. Mais qu'il y a quand même beaucoup de PV. En plus de ça, elle m'a fait un smash! Ça fait bobo. En plus de ça, c'est tellement moche! Regardez-moi ça! C'est laid! Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait avec une poupée comme ça. Ça ferait longtemps que je l'aurais lancée par la fenêtre. Déjà, elle a même pas de cheveux. Bon ben, elle a été butée. La poupée ne bouge plus. Et voilà, on a gagné un niveau. Ouais, on est niveau 2. Ok, on augmente de combat, de vitesse, de sagesse, puissance, force... HP maximum. Waouh, je monte de 1 HP. PV, c'est ça qui monte le plus. Bon, le phénomène s'est arrêté. Pour le moment, j'ai déjà entendu ça. Pff. Oh, ah oui, un autre truc là-dedans. C'est que... Il va avoir un système de trouver... Des mélodies. En gros, il y a 8 mélodies qu'il faut trouver. Et vous allez savoir vers la fin du jeu pourquoi qu'on a besoin de la mélodie. Je me souviens même plus à qui qu'il faut je parle dans les sœurs, mais il y en a une qui nous donne du jus. Bon, ça va être là, c'est pas elle. Je crois qu'il faut que je retourne. Ah, c'est elle. Ouais, j'en demande un peu trop. C'est que j'ai besoin. Cet endroit ne... Je viens d'appuyer sur la carte. Oh oui, puis pour les items, t'as à peu près toutes sortes de choses à donner, goûter. On peut même goûter. Bon, je suis obligé de retourner. Oh, la carte bleue, c'est une carte de crédit. En gros, comment vous recevez de l'argent? C'est simple comme tout. Il faut absolument... En gros, à chaque fois qu'on bat qu'on tue des monstres, ah ben justement, voici la personne qui va nous expliquer. Portal guys. La psy, pas le psy plutôt. Bravo! Il sait même plus comment... où c'est qu'il a mis la clé. Comment tu veux aller dans ce sol maintenant? Ah ben oui, il faut que je parte à l'aventure. J'ai pas le choix.
Bah comment tu veux que je redonne un œil sur la famille, puis Ah oui, et le système de sauvegarde... C'est... complètement là-dedans. Ah oui, puis cette musique, si vous en souvenez, dans Super Smash Bros. Ah oui. Ah oui, je pense c'est lui qui détient la clé. Mais oui, c'est le chien. Qu'est-ce que tu faisais avec la clé? Bon, on n'a pas le choix là-dedans. Clé du sol utilisée. J'aimerais pas savoir un sous-sol avec une musique pareille. Cadeau, il y a... Je sais pas c'est quoi le journal... Oh, un bat en plastique, ça va être utile. Pour augmenter mon attaque. Et... Non, pas Ito, wow. Je veux même pas savoir combien de temps qu'il restait le lapin. Bon, j'arrête pas de peser sur la carte comme d'habitude. Barbare. Je veux juste jeter. Je veux vous. Pas de baseball, c'est un. Ouais, ils disent même pas combien ça fesse. C'est comme. Merci. Je sais même pas si j'étais équipé de autre chose, non. C'est quoi ça, clé sous ça? Bon, au journal de l'arrière, grand-père, il est vieux. D'accord. Bon, c'est l'heure de partir aux aventures. Ah oui, puis pour vous dire les ennemis, vous allez... Peut-être être un peu confus, mais... Ce sont les ennemis du jeu. Oh, ben ça c'est normal, si tu vois un coyote, c'est sûr que ça peut faire mal. Surtout s'il est mort. Ah, on attaque plus fort avec le bat. Aïe, lui aussi il frappe fort. Ou plutôt il mord plus fort parce que comment tu veux qu'il me frappe avec ses pattes? Il s'est calmé, il se calme. Ah oh, ok. Fait qu'en gros, si on tabasse un chien, il se calme. D'accord. Bon, allez, un fermier qui s'appelle Wally. Good à savoir. Combien tu fesses, Wally? Oh, tu fesses comme le... Comme le coyote. À moins que si tu me fais un smash ou de quoi. Oh, oh. Oula, j'espère que je vais pas mourir. Oh non, mais je peux mourir. Il faut juste que je mange le pain. Quand même. Ah, tapez s'il te plaît, mort Wally. Non, 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 esquive, esquive. Bon, oui, c'est la première mort. Et... Oui, en gros, c'est pas un jeu facile. Faut quand même voir les états pour voir si... Ok, j'ai toujours mes pouvoirs et tout ça. Je crois que j'ai plus le pain, par exemple.
ça y est, plus de pain. Alors ouais, si ma soeur peut me toujours me donner mes petits jus. Non, là, elle commence à... Ouais, je vais te laisser la clé du sol. Et le journal, je sais même pas à quoi ça va servir. Ah oui, c'est vrai, je reprends. Puis elle me fait du steak. Bon, il va falloir que je fasse attention cette fois-ci, surtout à Wally. Ouais, vous allez sûrement me dire quelle sorte d'ennemi que c'est, un humain qui décide de buter un pauvre petit. Mais ça, c'est pas plus mieux. J'adore la musique. Oh non! Son tour de devenir dingue. Au parleur. Attends, mais il est sérieux? Il vient-tu de dire une blague de merde, ce truc? Ok, il est en train de méditer. Lol. Oh, il nous a énervés. En gros, on le fait spuf. Ok, je pense que... Quand il nous... Il y a des moments donnés que ce hippie peut nous énerver. Je comprends. Ah, puis me faire encore attaquer. Oh non, pas encore lui. Non, sérieux. C'est juste la musique qui est what the fuck pendant ce combat. Oh, je lui ai fait un smash dans sa gueule. Cette fois-ci, il veut plus me faire... Oh, j'ai fait des smashs dans sa gueule à force d'avoir insulté ma mère. Ah non, c'est vrai, il a pas insulté ma mère, il a dit que ma mère m'appelait. En tout cas, pour XP, ça fera pas grand chose. Je veux récupérer et en pensant, on va rappeler notre papa. Déjà 130, oui, il y a ici la carte justement nous sert à déposer et surtout à retirer. Parce que oui, en se reposant de... Veux-tu sauvegarder? Oui, parce que le téléphone, en gros, a appelé notre père. Je sais même pas comment il fait pour réussir à garder notre sauvegarde, mais c'est quand même assez... assez spécial. J'adore la musique. C'est surtout la musique que j'adore dans ce jeu. L'ambiance, les combats. Drôle de tête que t'as. Un mille pattes. En tout cas, d'ici, je vois pas mille pattes, mais enfin bref. En tout cas, lui, nous fait pas vraiment très très mal. C'est qu'est-ce qui est bien. Déjà mort. Parfait. Ah ben, nous monte de niveau. Oh, une femme.
Allô? Un panique. Pipi. T'es sérieux? Puis il se pas juste que c'est un chien. D'accord, je sais pas c'est qui Pipi, mais il se pas juste que c'est pour un enfant ou quoi que ce soit parce que j'ai pitié pour elle. Ou un corbeau avec des souliers ou c'est ses pieds qui sont faits comme ça. Par exemple, ces corbeaux-là, quand vous avez des items comme du biscuit ou quelque chose du genre, il peut t'évoler. En gros, c'est un bâtard. Puis oui, la musique, il va en avoir plusieurs différentes. Il est tenace le corbeau. Ah, on gagne le niveau. On est au niveau 3. Oh, je pense que le père il dit combien de niveaux qui reste à gagner pour augmenter d'expérience de niveau. Waouh. Bon, je crois qu'on arrive dans un village. Si je me souviens bien, c'est dans ces maisons-là qu'on peut rentrer. Allô, la souris. D'accord. C'est comme il y a une maison seulement pour les souris. Tu me blagues le chemin. Merci. Hôtel, il faudrait que j'aille voir combien ça coûte d'aller se reposer à l'hôtel. Hey! Mais quoi, mais c'est de l'arnaque! Bon, c'est vrai que dans la vraie vie, je crois que c'est plus pire. Un magasin! Des magasins! Attends, mais c'est quoi ça? Je te dirai un secret plus tard. What? Attends, mais c'est quoi cet endroit-là? À qui tu parles? Hôtel de ville, ville de... Ok, c'est un hôtel de ville. Dep. Ah, ok, c'est un dépanneur. Non, j'ai rien à revendre. C'est quoi ça? Ah, ok, faut que je revoie dans ma carte. Ça, carte bleue, utiliser. Retirer. Retirer 40 là, puis on va aller dans l'hôtel pour se reposer. Je suis dans mes tobi, je peux juste aller dans ce restaurant. Dans ce restaurant, dans ce magasin là. Bon, on va juste aller. On va se guérir avec juste. Ça, ça m'énerve par exemple.
En faisant ça, faut toujours garder de l'argent si tu vas appeler. Parce que pour appeler le père, c'est ici. Et c'est 1$. J'ai transféré 5. Waouh. Oui, parce qu'il en est retiré, papa. Qu'est-ce que je faisais? Ah, ok, il dit les niveaux. Fait que. On s'est gardé un autre coup. On va aller s'entraîner un peu. Et au pire. Et après ça, on va arrêter cet épisode. Après un peu d'entraînement. Il n'y a pas moyen de courir. Ah, mais oui, il y avait un moyen de courir. Je me disais que l'aventure allait être long à pied. Attends un peu. Oublié de vérifier parce que oui, c'est écrit DEP, mais faut que j'envoie des trucs. Parce qu'il faut aussi que je sache qu'est-ce que drogue. Waouh! Si ça veut dire médicaments puis tout ça. Crème, rive, insecticide. Ok. Et antidote. Putain, l'insecticide coûte un prix de fou, quoi. Sport good. C'est parce que madame... Hey, je vais vous parler. Oh, le bâton en bois coûte cher, mais je suis sûr que ça fesse. À force de s'entraîner, on va pouvoir l'acheter. Ah, puis ici on a de la nourriture. Eh ben putain, les hamburgers sont même pas chers, puis le pain ici il est cher que le maudit. Ah. Des animaux. Destruction. Méfie-toi de. Méfie-toi de tous les animaux, ce sont les chapitres. Oh. Non. Ils ont juste un poussin. Qu'est-ce que vous faites avec un poussin? D'accord, ils me l'ont donné. Ils voulaient me donner un prix de fou. Le poussin. Ok, ils en ont... d'un eau barbare ou quelque chose du genre. À moins que le poussin va être utile pour quelque chose. Oh. De toute façon, qu'est-ce qu'ils font avec un putain de poussin? Puis que tous les animaux se sont enfuis. Puis le poussin n'a jamais pensé à s'enfuir lui aussi. C'est comme le poussin s'est dit non, je reste. Oh, il y a un chemin par là. What? S'il vous plaît. Voir. Chasse interdite, vous approchez du village Canary. Village Canary. Ah! J'ai oublié qu'il y a des ennemis. Ah, les serpents. Saleté de bête. Ah, ben ils font juste un. C'est correct, d'abord. Puis on est plus fort que lui. Ow! Ah, mon dos de te faire un smash! Ah, et puis les smash, c'est réellement aléatoire, je vous dis. Oh! On a appris un nouveau pouvoir psy. D'accord. Oh! Le psy qui soigne. Ça, par exemple, ça va être utile. Le psy qui est très utile de la part de Niken. Ness. Non, Ness, lui, ça va être de sa version Super Nintendo. Bon, je veux juste aller voir c'est quoi ce village Canary si les serpents peuvent arrêter de m'énerver.
Oui, je ne parle pas beaucoup, mais c'est normal. Quand je suis concentré, je ne parle pas beaucoup. Et surtout que ce serpent m'énerve. Je ne sais pas comment tu fais pour revenir à la vie, toi, à ton chien, mais... Ah ben, t'avais un hippie juste à côté de toi. On va taper le hippie. Et non, je suis pas raciste, c'est juste que c'est comique de devoir se battre contre quelqu'un comme ça. On va manger des frites devant ta gueule. Pendant ça là, tu médites, d'accord. Devient incontrôlable l'attaque de l'église. Oh, okay. Le hippie commence à s'énerver. Mais il est mort avant de pouvoir m'attaquer. Par exemple, il donne quand même beaucoup de XP, lui. Quand ils disent village canari, c'est vraiment un endroit avec plein de canards. Mais sérieux, vous êtes partout, vous autres! Oula, mais lui aussi m'en fait toute une. Oh, bah, c'est quand même correct, quoi. Mais là, c'est quoi toutes ces smash aléatoires? Il est énervé, Nitan. Ok, mais comment je fais pour entrer là? Ça, c'est quoi? À qui tu parles? Oui, vas-y! Ah, ok, c'est le zoo. Mais il y a le village canari devant. D'accord, il était supposé d'être là, le village canari, mais comment tu veux que je rentre? Ah! Il doit avoir un moyen de rentrer là. Attends, on va descendre tout au bout là. Mais oui, il doit sûrement avoir une entrée ici, oui. Wow, il y a des canaris! Ils veulent parler aux canards. Ah ben ils veulent pas me parler aux autres. C'est parce qu'ils ont rien à dire en particulier. Puis s'il vous plaît, est-ce que je peux passer, Madame Canard? Ou je sais même pas si vous êtes un monsieur ou une madame. Vous parlez pas. Et toi, tu peux-tu arrêter de bouger deux minutes? Ils veulent vraiment pas parler. C'est quoi le problème? Ok, y en a un qui est gris, what the fuck. Oh yeah, y'a un monsieur ici, on va lui parler. Discussion. Oh, c'est le poussé, c'est à la partie... Était-elle le ASMM? Oh d'accord, ok. T'es-tu... Ah! Oh mais si tu es là... Je te donner le poussin. Oh la chambre! Ah voilà la deuxième le deuxième morceau de la mélodie. Bon déjà retenez, on a trouvé deux mélodies. On en a 8 à trouver. Faut savoir lesquelles c'est qui détient les autres. Bon on va essayer de retourner au village pour aller sauvegarder. Sauf que oui, on va avoir des hippies qui vont nous faire chier, on va dire. Voilà, tout le long. Mais t'es sérieux, toi, avec ce truc? T'es en train de m'encourager de te buter, man.
Je crois que il y en avait assez de vivre, fait que il s'est dit qu'en insultant ma mère, ou plutôt en m'insultant et criant ta mère t'appelle, il s'est dit que ça me fait rire ça. Y'a ta mère qui t'appelle. On va aller voir combien qu'on s'est fait. Et on va utiliser le pouvoir psy par exemple. Ah, quand même, c'est efficace. Ça va être efficace pendant l'aventure. Bon, là, on va aller faire un petit appel à notre papa. Pour aller sauvegarder. Et que... En ayant sauvegardé... Oh, on a quand même beaucoup d'argent. Ah, 10 pour monter au niveau suivant. Oui, je veux sauvegarder. Bon, mais c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis. On va se voir dans le prochain épisode, la prochaine partie. Et je vous dis, pour cela, à la prochaine.